Marché? Bonsoir Antoine. Salut! Bon, On est loin l'un de l'autre. on est loin l'un de l'autre, puis là, on essaye notre technique aujourd'hui parce qu'il faut comprendre que Germain a la. La COVID, je fais partie de ces presque 500 000 personnes au Québec qui ont attrapé la COVID. Hey, t'as l'air malade, Ben, en vraiment. fait, je ne suis plus très malade, là. Je te le confirme. J'ai eu l'équivalent d'un petit rhume pendant quelques jours et puis ça s'est limité à ça. Puis on peut pas dire que ta voix, c'est à cause de ça parce qu'elle était de même avant. Oui, c'est la même voix, tout aussi charmante et mielleuse. Oui, exactement. Mais en fait, pour la petite histoire, la semaine dernière, bon, alors que toi, tu étais en Californie et on y reviendra, moi, je devais aller du côté de Montebello pour un événement Ouais. Subaru et conduire le Forester Wilderness. Et la veille, donc mercredi, j'avais les symptômes d'un petit rhume, là, donc un petit dans la gorge, le nez qui coule, mais vraiment rien de plus. Et ben, pour me soulager la conscience, j'ai été me faire tester le mercredi avant d'assister à cet événement-là où j'allais croiser fort probablement des dizaines de personnes. Et ben, j'ai été surpris de voir que c'était positif, donc il fallait rester à la maison et tout ce qui s'ensuit. Bon, Alors, une semaine plus tard, je suis toujours à la maison. fait que là, on s'est patenté ça dans un zoo, mais si vous nous voyez zioter un peu partout, c'est parce que là, on s'est organisé quelque chose à la dernière minute pour avoir les commentaires des gens, puis bon, Mais moi, mais j'ai les yeux rivés sur tes décorations de Noël, tes lumières de Noël quand dans ta même, hein? voiture. Tu Oui. sais, je niaise pas avec le budget. Non, et on se Je niaise rappelle pas que avec le budget. Mylène t'avait fait le reproche comme quoi ce n'était pas suffisamment décoré. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas à l'écoute. Et là, je m'excuse si je ne peux pas saluer les gens parce que de la façon dont on est configuré, moi, je ne vois pas les commentaires qui passent. C'est pas vraiment à toi qui les vois, Germain. Ah, ben je les vois passer, effectivement. On a Marc qui est avec nous, on a Gaétan, Bon. Samuel, Pascal. Donc, oui, même s'il y a une conférence de presse importante à 18 h, vous êtes nombreux à être là en direct à Bon. 17 h. Ben, c'est parfait. Fait que prends le temps de saluer les gens de ton côté parce que moi, visiblement, j'ai mon ordinateur, j'ai mon écran ici, mais il n'y a rien qui passe parce que le Zoom ne me le donne pas. Enfin bref. Alors, Et on a ben, on va Jeffrey qui nous a commencer avec ta envoyé question. des étoiles. Comment? Et on a Jeffrey qui nous a envoyé des étoiles. Ben, merci, Jeffrey. Alors, tu peux commencer avec ta question du jour, mais avant, je veux juste te féliciter pour ton fond d'écran. Merci. Hein? Parce que cette image-là, c'est une photo que j'ai prise quand j'ai fait la route 66 aller-retour avec la grosse brune en 2018. Et le restaurant Lou Mitchell que vous voyez là, c'est le début de la route 66. Alors, Donc à tu commences Chicago. là. D'ailleurs, si vous portez attention, vous voyez sur le lampadaire une pancarte de la route 66 et juste un peu plus loin, c'est écrit. Début, on ne le voit pas sur Non, l'image, OK. mais juste un peu plus loin, c'est écrit que c'est le début de la route 66. OK. Et dans ce restaurant-là, j'ai croisé une serveuse qui travaille là en 2018, qui travaillait là, si ma mémoire est bonne, depuis 42 ans, qui a tout vu dans ce restaurant-là. Elle a vu des mariages, elle a vu des divorces, elle a vu des Est-ce que la gens. recette des œufs tournés a évolué en 42 ans? C'était la même. D'accord. Elle me contait qu'elle a vu des gens se tirer dessus dans le restaurant. Elle a tout vu là-dedans. Là, Oui, il parce s'en que est passé. c'est à Chicago. À Chicago, évidemment. Fait Et que on a moi, connu évidemment, des avant de époques plus partir. difficiles à Chicago, là. Ouais, puis même encore aujourd'hui, je ne suis Oui. pas sûr que c'est totalement paisible. Mais ça, quoi que j'aimerais mieux être à Chicago en ce moment qu'ici. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'à partir de demain. Je vais être obligé de passer beaucoup de temps dans la grosse brune. Peut-être que je vais la décorer davantage, je ne sais pas. Oui, et Ensuite. on avait lancé Facebook en direct au début de la COVID, justement, mais je ne pensais pas qu'on allait être obligé de les faire séparément et avec une plus grande distance que toi sur la banquette d'en avant et moi sur la banquette d'en arrière.
Et avant que tu poses la question, ben, je veux juste mentionner, tu sais, on se fait souvent dire, nous, les journalistes automobiles, on se fait acheter par les constructeurs automobiles avec toutes sortes de cadeaux, puis de privilèges, puis etc. Ben, la réponse, c'est oui. Cette semaine, Polestar m'a acheté avec cette tasse-là. Ah! Ils m'ont offert une très belle tasse Polestar qui est éco-responsable et tout ça. Alors, est-ce qu'elle garde les breuvages froids, comme aussi froids que l'étoile polaire? Je ne sais pas, mais moi, j'avais le goût d'écrire Pôle Nord. Puis là, bref, j'ai eu des... Mais bref, je me suis dit, je vais l'utiliser cette semaine dans la grosse brune en les remerciant. Parce que Polestar a aussi... en fait, c'est une façon aussi de rappeler qu'on a fait une entrevue, toi et moi, avec le président de Polestar Canada, Hugues Bissonnette, qu'on connaît bien, qui... entrevue intéressante dans laquelle on a appris que finalement, la décision... et la stratégie de Polestar pour le Québec ben, avait changé là, en l'espace d'un an, tout simplement. Oui, exactement. Initialement, ça devait, on devait retrouver une boutique Polestar en plein centre-ville de Montréal. On s'est rendu compte qu'en plein centre-ville de Montréal, ben, les gens n'achètent pas de voiture. Alors, on a eu la très brillante idée de déplacer cette succursale-là à Laval. Actuellement, ben, c'est dans le stationnement de Volvo Laval, mais ça sera de l'autre côté de la rue dès l'année prochaine parce que la boutique Polestar est présentement en construction. Puis ça va concorder probablement avec l'arrivée du deuxième véhicule, du troisième, mais en réalité du deuxième véhicule parce que la Polestar 1, la production s'achève actuellement. Alors, Polestar 2 et Polestar 3 seront commercialisés dès l'année prochaine. Et puis, ben, à ce moment-là, ben, on aura un endroit dédié qui va être plus qu'un kiosque dans le centre d'achat, dans le Carrefour Laval. Ça a plus ou moins bien marché, je pense. Oui, mais en même temps, c'était une bonne manière, je pense, pour faire découvrir une marque auprès de gens qui ne savaient même pas que cette marque-là existait. C'est ceux qui font des line-up d'une demi-heure pour aller s'acheter du café chez Nespresso ou aller chez Apple pouvaient voir qu'il y avait une marque de voiture qui s'appelait Polestar. Mais est-ce que le taux de transfert en client était intéressant? Pas nécessairement, toujours. Moi, j'ai une tasse du Journal de Montréal. Là. Et je t'en félicite. J'ai été d'ailleurs, acheté par le Journal de Montréal. Elle semble un peu vintage. Oui, à mon image. Tout comme la voiture qui se trouve derrière toi, qui, en l'occurrence, est la même dans laquelle je me trouve présentement. Oui, n'est-ce pas un drôle de hasard? C'est une très belle mise en abyme, mais je trouvais que c'était un peu plus approprié comme fond d'écran que mon bureau. Oui, je confirme. Tu y allais-tu avec ta question, mon Germain? Oui, on y va tout de suite. En attendant, il y en a quand même plusieurs qui ont envoyé des étoiles. C'est le cas de Marc, entre autres. On a Merci. Serge, Patrick et Benoît qui nous saluent. Donc, la question cette semaine, hein, bon, à l'approche des fêtes, on revisite les classiques de Noël. Donc, la question est la suivante. La marque et le modèle de la voiture du livreur de pizza dans le film Home Alone, si vous préférez. Maman, j'ai raté l'avion. Et je suis sûr que tu connais la réponse en plus. Absolument. Ça frise l'autisme, mais je le sais. Voilà. Oui, absolument. Alors, oui. Bon, évidemment, là, on peut parler de la COVID rapidement, puis je veux pas tomber dans « Ah, ça n'a pas de bon sens, ah, c'est malheureux, qu'est-ce qu'on fait, nanana ». Juste vous rappeler que ça a eu un impact épouvantable, la COVID, sur le marché de l'automobile. Ouais. Et j'ai parlé cet après-midi avec des gens qui sont dans l'industrie. Autant au niveau des concessionnaires que des constructeurs, on s'attend au pire. Mais cette fois, on est peut-être un peu plus préparé. On a prévu le coup. On a des plateformes de transactions en ligne. On a une équipe qui est organisée pour faire de la livraison à domicile. On a prévu le coup. Alors, ceux qui auront l'excuse de la COVID de dire « on ne savait pas que ça reviendrait » et tout ça, là, eux vont l'échapper. Mais je pense qu'il y a beaucoup de constructeurs et de concessionnaires qui sont proactifs, qui... sont prêtes pour faire face à la musique si le pire venait qu'à arriver, c'est-à-dire si on annonçait des fermetures officielles de commerce pour plusieurs semaines, ce qui, je pense, va arriver, là, malheureusement. Fait que j'ai hâte de voir comment tout ça va se dessiner. On a tous hâte de voir comment tout ça va se dessiner. Mais une des grandes conséquences, c'était l'annulation
J'allais dire du salon de l'auto, mais en fait, c'est des salons de l'auto, là. Oui, exactement. Puis on va en parler parce que le salon de l'auto, écoute, moi j'étais du côté de la Californie la semaine passée quand tu m'as envoyé un texto pour me dire que tout ça c'était annulé. Mais Salon de là, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver, tous les salons canadiens, là. tu sais, on a annoncé ça rapidement d'un claquement de doigts alors que on voyait que ça commençait à devenir assez grave ici au Québec. Moi, là, c'est pas compliqué. J'ai téléphoné à des gens pour rapidement comprendre ceci. C'est sûr que toutes les organisations des salons automobiles au Canada, Québec, Montréal, je pense à Denis Dessureau et à toute l'équipe qui ont travaillé fort depuis des mois pour Des équipes essayer que. renouvelées, hein, parce que bon, il y a Ouais. eu beaucoup de mises à pied en plus il y a pratiquement 2 ans, là, donc c'est des gens qui n'étaient pas nécessairement rodés dans Ouais. le rythme de l'organisation d'un salon de l'auto. Donc, il fallait faire face à ce défi-là, en plus d'avoir de la nouvelle main-d'œuvre, là, donc des nouveaux employés. Mais, tu sais, je pense à ces équipes-là qui ont travaillé des mois et des mois pour en arriver à rien parce que là, on décide de tirer la plug. Faut comprendre ceci. Tenir un salon de l'auto cette année, financièrement parlant, ce n'était pas viable. Tout le monde le savait, mais l'idée, c'était d'essayer de ne pas perdre de sous et de faire perdurer un salon pour qu'en 2023, ça revienne en force. C'était ça l'idée cette année. Et malheureusement, ça n'arrivera pas. Mais on avait peut-être été optimiste dans ce que je dirais comme cherche le mot, là, mais dans Comme ce qu'on allait pronostic. anticiper, dans les pronostics, dans ce qu'on allait anticiper comme nombre de visiteurs, parce que, bon, un salon d'auto comme celui de Montréal, on dit normalement que c'est entre 175 et 200 000 visiteurs. Ça a peut-être été un peu moins les dernières années. Tout Bon. dépendant s'il y a une tempête de neige ou non pendant ce 10 jours-là. Et si le Canadien joue, quoique cette année, ça n'aurait pas eu d'impact, je pense que le monde s'en fout. Cette année, on s'attendait à avoir à peu près 100 000, tu sais, peut-être un peu plus. Et moi, Ce mon qui est feeling. énorme, ce qui est bien moins que, bon, tu le disais les autres années, mais en même temps, considérant la vie actuelle, 100 000 personnes, c'est énorme. Quel événement a pu rassembler dans la dernière année et demie ou les 2 dernières années 100 000 personnes au Québec? Personne, Cinq personne, matchs du personne. Canadien, un après l'autre, là, ça fait 100 000, oui, OK, Non, mais mais ça n'a aucun bon sens. moi, je ne peux même pas m'imaginer que ça serait arrivé. Alors, c'est sûr qu'il y aurait eu un déficit. Puis Germain était bien placé pour le savoir parce que je ne veux pas dire le donné, c'est-à-dire le Salon d'auto de Montréal, parce qu'il se tient au Palais des Congrès, et c'est vrai pour tous les autres salons automobiles au Canada, ils ont lieu dans des endroits hyper syndicalisés. En plein centre-ville, premièrement. En plein centre-ville où il n'y a pas de place à la négociation ou à peu près. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même s'il y a deux fois et demi moins de visiteurs cette année, qu'il y a beaucoup de kiosques qui ne sont pas présents, qui sont vides, qu'il y a des constructeurs automobiles qui ne se déplacent pas, bien, le Palais des Congrès, avec des employés syndiqués qui sont dans leurs droits, eux décident de ne pas baisser les prix. En fait, le cadeau qu'ils ont fait cette année, c'est d'offrir le forfait au même prix qu'en 2020. Tout un cadeau, Oui. mais. Et la prise téléphonique, elle a continué de coûter 250 $ pour les 10 jours, là. Ça change pas, là. T'sais, alors, t'sais, tenir un kiosque sur place, toi, ton père et ta famille avaient un kiosque sur place pour vendre des modèles réduits dans divers salons automobiles. Tu sais combien ça peut coûter. Et tu sais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact quand il y a du monde ou quand il n'y en a pas. Alors, Absolument. toi, de payer, je dis hypothétiquement un chiffre, là, mais toi qui payes 10 000 piastres pour un kiosque, si tu as 75 % moins d'achalandage, ben c'est 75 % moins de ventes et ça va t'avoir coûté le même prix pour être présent, ce qui n'a absolument aucun bon sens. Oui, Alors, et t'es pas tout à fait dans le champ avec tes chiffres, là. Ton ballpark, comme on pourrait dire en chinois, oui. est assez Ben, proche, là. je sais très bien parce que j'ai déjà eu un kiosque là, moi aussi. Fait que, tu sais,
Et d'ailleurs, pour l'édition 2022, il y avait environ là, la moitié des commerçants de 2020 qui avaient renouvelé. Là. Donc déjà là, on avait un énorme manque à gagner et on devait restructurer tout le parcours, fermer des salles, déplacer d'autres marchands. Donc déjà, juste avec ça, il y avait un important manque à gagner, en plus des manufacturiers qui, eux, ben, avaient clairement signifié qu'ils n'avaient aucun intérêt d'être présents. Oui, puis on peut en nommer quelques-uns. Là. Honda Acura, Volkswagen Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Mitsubishi, Mazda, ce sont des constructeurs qui n'étaient pas présents au salon de l'auto, Tesla aussi. Bon, tu sais, ce n'est pas des farces, ce n'est pas des petits joueurs. Alors, ça aurait été un salon de Hyundai, Kia, les constructeurs américains, quelques autres, puis des attractions à gauche à droite. Mais le défi pour une équipe comme celle de Denis Dessureau qui s'occupe du salon de Montréal, c'était d'attirer du monde malgré tous ces absents-là, de faire vivre une frénésie qui n'était pas évidente et de convaincre les gens de venir faire un tour masqué en respectant les règles sanitaires. Comment tu gères le fait? Peux-tu t'asseoir dans une voiture? Y a-tu de la désinfection à toutes les 30 secondes? Moi, ça, tu sais, c'est compliqué. Et tout, alors, ça pour aller magasiner, tout ça pour aller magasiner une voiture que tu vas pouvoir... tu vas pouvoir en prendre possession dans 6 mois ou 1 an. C'est ce facteur-là aussi du contexte qui vient jouer un peu. Oui, c'est ça. À quelques exceptions près, c'est un peu ça, mais oui. Mais il en demeure pas moins aussi que. Bon, puis c'est ça, il y a des constructeurs, là, je veux dire, General Motors va se présenter là-bas, tu as absolument raison. Pour vendre rien. Ils n'ont rien à vendre. Ils n'ont pas de véhicule. Fait que tu fais quoi? Tu amènes 2-3 prototypes puis des Sparks. C'est ça. Non, mais. C'est ça quand même, là. C'est ça quand même. Fait que, et là qu'on annule le Salon de l'Auto de Montréal la semaine dernière, effectivement, c'est un peu hâtif, mais considérant le congé des fêtes de 2 semaines et toute la logistique que ça demande, un salon comme ça, je préfère qu'on ait pris cette décision-là le 15 décembre plutôt que le 5 janvier ou le 10 janvier, alors que les camions auraient déjà été tout chargés de voitures. Ça n'aurait pas eu de bon sens d'annuler ça à quelques jours de la tenue de l'événement. Cela dit, un événement comme le Salon de Québec, qui aura lieu en mars, c'est un peu hâtif, là. Bien, en fait, moi, je pense que ce qu'on a choisi de faire, c'est... d'après moi, ton micro, il frotte sur ton chandail, ça fait crit, 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 là. Je te dis ça de même. Parce que je mange des céréales. Ah, OK. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. OK, parfait. Mais d'après moi, en fait, on a pris la décision. En fait, ça a soulagé bien des gens parce qu'on s'est dit, tu sais quoi, on ne prendra pas de chance. On tire la plug. On est sûr qu'on ne perdra pas de sous cette année. On ne décevra pas personne. Le stress va baisser. C'est frustrant d'avoir travaillé des mois dans le vide, mais là, au moins, on ne pourra pas décevoir personne. Moi, j'ai le feeling que c'est un peu ça. Puis oui, il y a pas de... Je lis les commentaires à côté. Il y a Benoît qui mentionne quand même que le Palais des Congrès est redevenu un centre important pour la vaccination aussi, là, ouais. Donc qui reprend aussi. Donc, est-ce qu'on aurait pu avoir ces deux choses-là qui se soient côtoyées? Je ne sais pas comment ça aurait été possible, là. Donc, c'est une utilisation des ressources en même temps limitée, là. Ouais, tu as ton micro, je pense, qui frotte à quelque part. J'entends clic, 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 je ne sais pas tout le temps, là. Mais c'est peut-être un contact. Des fois, c'est... Bon, enfin, bref. Puis, ce que je voulais... Oui, attends un peu, là. Je t'ai perdu avec cette histoire-là. Les salons automobiles aussi, là, il ne faut pas oublier que là, on voit ça ici à l'échelle canadienne, mais aux États-Unis, moi, je suis allé en faire un. Je suis allé faire le salon de Los Angeles. Tu sais, il va arriver quoi après? C'est une excellente question. Tu sais, c'est vraiment... à suivre. Moi, je pense pas que les constructeurs automobiles vont se plaindre de ça. En plus, ceux qui devaient être présents vont sauver beaucoup d'argent, là. Il y a ça aussi, là, parce que ça leur coûtait cher d'être sur place. Puis, le point que je veux amener, en fait, c'est ma gérante Martine, que je salue, qui m'a Bonjour fait... Hein? Bonjour Martine. Bonjour Martine. En fait, elle m'a fait réaliser ça, puis c'est un point quand même important. Les salons qui ont fonctionné cette année, comme par exemple le Salon du livre, qui se tient lui aussi au Palais des congrès désormais,
Ce sont des salons, oui, mais des salons transactionnels où les gens arrivent sur place, achètent des produits et partent. Alors ça continue d'avoir du succès parce que c'est un centre d'achat. Tu sais, dans le fond, les gens se Ça ne dure pas déplacent pour 10 aller. jours non plus, là. Bon, en plus, oui, mais en même temps, ce n'est pas la même logistique Non, d'installer une pile d'olive que bon. Mais il en demeure pas moins qu'un salon automobile, tu ne peux pas acheter de voiture, à part au kiosque de ton père, mettons. Oui, puis, mais tu peux laisser des dépôts t'sais, chez certains manufacturiers, Ouais. puis encore, là, mais on est plutôt dans les étapes d'achat qu'au Salon du livre où tu peux Moi, je repartir pense avec qu'il ton va livre, là. vraiment falloir se poser la question sur l'avenir des salons automobiles parce que cette année, malgré toutes les tentatives, j'ai pas le feeling que ça déçoit tant de monde que ça qu'on tire la plug finalement. Du moins sur le plan financier. Fait à suivre dans le futur. Ioniq 5, Lucidaire, deux véhicules que tu as mis à l'essai la semaine dernière. J'étais allé conduire un bateau électrique à San Diego la semaine passée. Et ça, c'était épouvantable. C'était un peu humide. San Diego, c'est la place où il ne pleut jamais et on a pogné, en bon français, des pluies torrentielles au point où c'était à peu près impossible de sortir des voitures. Moi, je devais tourner un reportage. Imagine-toi qu'on n'a rien fait. J'avais un caméraman avec moi, puis pas moyen de faire des images. Il pleuvait, tu sortais dehors 10 secondes, c'est comme si tu étais pitché dans le lac. C'était effrayant. Et là-bas, ça arrive une ou deux fois par année. On est tombé sur cette journée-là. Mais quand Alors, il pleut pour vrai. hey, c'était quelque chose. Fait que l'Ioniq 5, j'étais bien content d'aller finalement découvrir cette voiture-là. Un peu frustré de réaliser qu'à mon retour, il y en avait une de stationnée dans la rue à côté de chez moi. Alors ça, c'est le genre de choses aussi que je vais réévaluer parce que à quoi bon se déplacer à l'autre bout pour aller conduire une voiture qui est disponible chez le concessionnaire dans la même semaine? Ça, c'est peut-être des questions qu'il va falloir se poser à nouveau. C'est arrivé plusieurs fois que les véhicules étaient disponibles chez les concessionnaires et que l'événement médiatique là, le lancement avait lieu après ça. C'est arrivé plusieurs fois dans la dernière année. Donc, de ce côté-là, on pourrait revoir certaines stratégies définitivement, là. Mais c'est une sacrée voiture. Je veux dire, c'est sûr qu'on a un véhicule de base, là, 44 999 plus tous les frais, là, qui se vendra absolument pas. C'est d'un total désintérêt. 168 chevaux, c'est pas une voiture qui est puissante. C'est pas une vo Bon, 350 km d'autonomie, c'est correct. Voiture propulsée, pas d'équipement particulièrement intéressant et pas de thermorégulation. Et là, tu passes à la version suivante qui coûte 3 000-4 000 piastres de plus. Hop, on ajoute la thermorégulation, on fait tout pour que tu upgrades. Puis finalement, bien, si tu veux avoir la version à 4 roues motrices, c'est 10 000 $ de plus que la version de base. Ce qui nous amène à Ce quel prix? qui nous amène à 57 000, transport, préparation inclus, plus taxes, moins 13 000. Ou Donc, toutes les 60. versions sont éligibles aux pleines subventions. Toutes les versions sont éligibles aux 13 000 parce qu'on a un modèle à 44 999, mais que tu verras nulle part, que personne ne va commander. Ça ne sera même pas 1 % des ventes. Je suis persuadé de ça. Il n'y a pas d'intérêt de commander cette version-là, surtout ici au Québec, sans thermorégulation. Minimalement, les gens vont passer à la deuxième version qui est thermorégulée, puis qui peut recevoir une charge rapide jusqu'à 350 kW, ce qui n'est pas le cas de la version de base. Si tu as des trucs comme ça, je pense qu'après ça, on ajoute aussi le volant chauffant dans l'autre, des accessoires que les gens veulent avoir. Tu sais, 45 000, tu n'as pas de volant chauffant. Bon, tu fais attention. Fait que, on a lancé cette version-là à 44 999 pour que le véhicule soit éligible aux crédits gouvernementaux. Mais moi, j'ai l'impression que ceux qui vont avoir ce budget-là, ben, vont quand même acheter un Kona électrique traction qui va offrir 415 km d'autonomie, comme la version à 4 roues motrices de l'Ioniq 5. Et si vous voulez avoir une version propulsée, mais à grande autonomie, ben là, c'est presque 500 km d'autonomie, 488. Mais ça reste une propulsion.
Donc, un petit désavantage pour nos hivers québécois, bien qu'il y a beaucoup de gens qui roulent en Tesla Model 3 propulsé. On le sait. Il y en a là, d'ailleurs qui viennent d'apprendre qu'ils roulent une Tesla Model 3 propulsée là, ouais, avec la première neige. Là. Mais ça c'est une autre histoire. Parle-nous un peu du format de la voiture, parce que Hyundai la présente comme étant un VUS, mais de l'extérieur, quand on la regarde, ça semble carrément une voiture à haillons, là, une voiture 5 portes à haillons. Là. C'est une Golf un petit peu boostée, peut-être un peu plus large, peut-être un peu plus longue, là, mais extrêmement spacieuse à l'intérieur, parce qu'évidemment, tu n'as pas d'éléments mécaniques qui prennent de la place. Fait que tu as un plancher plat à l'avant, à l'arrière. La banquette est très large à l'arrière. Je n'ai pas fait le test, mais d'après moi, tu peux installer 3 sièges d'appoint pour des enfants. Tu sais, c'est très spacieux comme petite voiture. Mais ce n'est pas un VUS. Ce n'est pas un VUS, c'est une voiture. J'ai arrêté. Mais l'erreur qu'on a faite, la seule erreur qu'on a faite, puis je peux te dire qu'on a pogné la journée pour le réaliser, il n'y a pas d'essuie-glace en arrière. Ça, il va falloir corriger le problème. Oui, parce que sur une berline, bon, c'est rare de retrouver un essuie-glace à l'arrière, mais sur une voiture à haillons, c'est très courant, là. Et il y a quelqu'un qui me faisait remarquer cette semaine qu'il y a un autre véhicule qui a été lancé cette année qui n'a pas d'essuie-glace à l'arrière et ça n'a pas de bon sens. Et je suis assez d'accord, merci. La Toyota Corolla Cross en version de base n'a pas d'essuie-glace arrière. Il faut aller au modèle XLE. Il y a des limites à couper, là. Tu sais, ça me rappelle Honda en 94 qui ne mettait pas de rétroviseur côté passager. Ah oui, c'est ordinaire, là. Écoute, très ordinaire. Là, pas d'essuie-glace à l'arrière. Oui, mais on a une caméra de recul. Oui, mais tout l'hiver, ta caméra de recul, elle ne marche pas parce que la lentille est toute sale. Tu sais, à un moment donné... Tu sais, des enjoliveurs sur des roues d'acier, bon, c'est pas chic, mais en même temps, ça ne change rien. Mais un essuie-glace à l'arrière, c'est le minimum pour que ce soit un peu pratique. C'est sur un véhicule comme celui-là. Mais, oui, c'est ça. Mais je te dis, la IONIQ 5, c'est une voiture solide, extrêmement bien construite, ultra moderne. C'est un pied de nez à tout ce que les constructeurs mainstream ont lancé jusqu'à maintenant. Puis moi, je pense que... En fait, Hyundai, c'est 10 % des ventes de véhicules électriques au Canada. Là. Fait qu'on est quand même assez sérieux. Puis, avec ce produit-là, on va aller chercher une autre clientèle. Puis, la plateforme est impressionnante. Moi, j'ai hâte de voir l'autonomie réelle. Mais, bon, évidemment, dans les conditions où on était, l'autonomie baissait de façon normale. Il pleuvait très fort, il ventait très fort, mais il ne faisait pas moins 20, là, il faisait 10 degrés. Alors, tu sais, c'était pas les pires conditions, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un produit qui est ultra efficace. Puis même, écoute, je fais ma transition vers Lucid pour te dire que moi, j'étais allé visiter les installations de Lucid, les studios de design, les environnements où ils ont développé le véhicule. J'ai parlé avec des ingénieurs là-bas et eux-mêmes me disaient être impressionnés par le travail que Hyundai et Kia ont fait avec la plateforme GMP, alors que il était capable de me dire bien des affaires plus ou moins élégantes concernant Tesla, concernant Chevrolet avec la Bolt, particulièrement concernant GM avec la camionnette Hummer. Pour eux, c'est une grosse farce. Il n'y a rien de plus facile, en tout cas, à mot couvert, mais là, ce n'est pas si couvert que ça parce que je t'en parle, mais à mot couvert, ce qu'il me disait, c'est... On n'est pas juste tous les deux, mais continue. Non, c'est ça, mais... Grosso modo, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'y a rien de plus facile que de prendre des gros moteurs électriques, puis de prendre des grosses batteries, puis de planter ça là, puis si tu veux plus d'autonomie, bien, tu mets plus de batteries, puis si tu veux plus de puissance, tu grossis les moteurs. Le défi dans un véhicule électrique, c'est d'emmagasiner une puissance maximale dans un moteur de petite taille et d'emmagasiner un maximum d'énergie dans des batteries de petite taille et que ces batteries-là soient efficaces longtemps et que ces moteurs-là soient efficaces longtemps, c'est-à-dire bien développés, bien refroidis avec des matériaux de qualité, avec une simplicité d'assemblage, ce qui n'est pas le cas de bien d'autres. Puis là, on tombait dans de la technique assez avancée, mais on m'illustrait comment... le moteur électrique d'une Chevrolet Bolt était refroidi versus le moteur de Lucid. On m'illustrait comment ça fonctionnait, les premiers moteurs d'une Tesla Model S qui sont gigantesques par rapport à ce que Lucid va proposer. En même temps, on est tous d'accord pour dire que Tesla a ouvert le bal et que bon, sans eux, Lucid ne serait pas là aujourd'hui. D'ailleurs, le président de Lucid, c'est un ancien de chez Tesla qui a travaillé, si mémoire est bonne, chez Rover, qui est un maniaque de Lotus.
qui est un maniaque de voitures. Il y a beaucoup de maniaques de voitures. Le designer de Lucid, c'est un gars qui a dessiné Derek Jenkins. C'est à lui qu'on doit l'ancienne MX-5. Bon, en fait, la récente MX-5 qui a été lancée en 2016. Et c'est une gang de maniaques de voitures là-bas. Mais eux-mêmes, c'est ça, étaient impressionnés par le travail que les gens de Hyundai Kia avaient fait avec la IONIQ 5 et croyaient beaucoup au succès de ça. Et il y a même des employés de chez Lucid qui m'ont avoué avoir commandé une IONIQ 5. Alors, c'est pas pire. Et il y aura le Genesis GV60 aussi qui va découler, qui va être finalement le même véhicule. J'ai hâte de voir comment on va pouvoir distinguer ces trois véhicules-là. Bon, on va avoir... On a vu les véhicules, là, donc on voit bien que la silhouette est différente, mais il va falloir quand même faire du gros travail à l'intérieur pour que la Genesis soit une coche plus haut que les produits qu'il y a à Hyundai. Là. Parce ben, que pas sinon, tant que ça, tout est parce pareil. Que c'est pas une qualité de finition puis un luxe à outrance dans l'INX 5, c'est juste bien exécuté. C'est oui, ultra modeste. Si on veut justifier l'écart avec le GV60... Ah, il va falloir offrir du luxe. Ben c'est ça. Il va falloir, tu sais, oui, oui. Pour distinguer les produits, il va falloir offrir un peu de crémage, là. Puis plus de puissance aussi, parce que, mis à part la version à 4 roues motrices qui fait 320 chevaux, ben si vous prenez une IONIQ propulsée, c'est 168 ou 225 chevaux, mais pour un véhicule quand même assez lourd. Donc, les performances ne sont pas là. On parle d'un 0-100 annoncé en 8,5 secondes pour la version de base, 5,1 secondes pour la version de 320 chevaux. Et moi, je n'ai vraiment pas l'impression que ça fait le 0-100 en 5 secondes pour l'avoir conduit. C'est relativement puissant, mais ça me donnait plus l'impression d'une voiture qui fait ça en 6 secondes et demie qu'en 5 secondes. Et j'ai hâte de faire le test. Notre ami Marc Lachapelle, qui est bon pour faire ses calculs de performance, ben j'ai hâte de voir ce qui va sortir de là. Parce que, puis même chose, en fait, en ce qui concerne le véhicule. Je peux peut-être vous le montrer, là. J'aime ça quand je fais ça. Le véhicule qui est à côté de moi. Comme il n'y a pas de micro de brancher cette semaine, ça va? Oui, c'est ça. Ben là, vous voyez à côté de moi le Mustang GT GT édition performance que j'essaie cette semaine. Écoute, c'est un véhicule qui fait 480 chevaux, 634 livres de couple. C'est supposé, selon Ford, faire le 0-100 en 3,7 secondes. J'ai beau mettre ça dans le mode le plus poussé que tu voudras, il y a une accélération initiale qui est forte, mais rapidement, ça s'essouffle. Moi, je ne suis vraiment pas impressionné par les performances de ce véhicule-là, surtout pas à 90 000 $ À partir de quelle vitesse ça s'essouffle? 50 ou rendu à 90? Bien, en fait, ça donne un gros kick initial. Puis quand tu atteins la limite légale autour de 100 km/h, tu vois qu'il commence à en perdre pas mal. Puis je lisais aussi ce que Marc Lachapelle mentionnait. Lui, il a fait des tests en circuit fermé. Puis il dit à 130, il n'y a plus rien là-dedans. C'est vide. Schlock. Fait que, tu sais, je ne vois pas à quel point ce véhicule-là est plus sportif à conduire, mais ça reste un VUS. Tu sais, c'est sportif comme un. Comme un Explorer ST peut être sportif par rapport à un Explorer ordinaire, mais les sensations fortes dans un Mustang Mach-E GT, toute chose étant relative. Avec un V6 EcoBoost dans l'Explorer ST, rendu à 100 km/h, il reste encore un peu. On ne sent pas déjà l'essoufflement rendu là. Non, puis moi, ce que je peux te dire aussi, c'est que l'autonomie, ça n'a pas l'air impressionnant. Moi, je ne vois pas à date comment je vais réussir à faire 300 km sur une charge avec ça. Ce qui est exécrable, là. On annonce 410, puis actuellement, autour du point de congélation avec un véhicule qui est chargé dans le garage, là, je ne serais pas capable de faire 300. Fait que c'est pas impressionnant non plus. Mais bref, enfin. Fait que tout ça pour te dire que les performances en accélération de l'IONIQ 5, tu n'achètes pas ça pour ça. J'ai l'impression qu'il y a des véhicules qui sont mieux capables de faire. Puis une Bolt vendue pour moins cher qu'une IONIQ 5 va t'offrir beaucoup plus de performance. Pas le même niveau de raffinement, par exemple, ni le même niveau de confort. Ça, c'est bien évident. Mais je reviens à Lucid pour te dire que ça, c'est complètement démentiel. Là, pour reprendre la mauvaise traduction de Count Custom, là, que, c'est comment ça s'appelle? Les fous des bolides, là? Oui. C'est complètement dément. Oui.
sais? Oui. Donc, c'est la pire émission en termes de traduction qui peut exister. Parce qu'en anglais, c'est correct, mais c'est vraiment l'équipe de traduction qui fait un travail J'ai rencontré Danny Cocker à Las Vegas, puis je lui ai dit à quel point il avait une voix de merde en français, il est parti à rire. Je me suis pas gêné pour vieux, dire... ta caisse, elle est démente! Ah, ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est effrayant. Là. Voilà. Je suis pas capable d'écouter. Je veux dire, c'est correct, là, des émissions traduites, mais ça, c'est vraiment pourri comme traduction. Puis quand j'entends des trucs de même, je fais, ben non, ça n'a pas de bon sens. Enfin, bref. Mais tout ça pour dire pour Lucide, comment ça va se passer? Est-ce que, parce que là, bon, évidemment, il n'y a pas de concessionnaire encore au Québec. Bon, d'abord, je vais te raconter. Oui. Moi, je suis arrivé là-bas, je ne savais pas trop ce que j'allais découvrir. Et je suis arrivé au bureau chef, où tout est fait. Studio de design, showroom virtuel. On avait placé la voiture à côté d'une Mercedes EQS, d'une Tesla Model S plaid, d'une Porsche Taycan. Toutes les voitures en compétition étaient là. La plateforme, on m'a fait visiter toutes les installations. On m'a même fait parler pendant une demi-heure avec l'ingénieur allemand qui est responsable du développement des lumières de la voiture. On était, tu sais, on a poussé ça à l'extrême. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font là-bas. C'est une jeune équipe, c'est dynamique. Il y a 4000 employés actuellement qui travaillent pour cette entreprise-là, fait que c'est pas une bénerie. L'usine est du côté de l'Arizona. Et en fait, le modèle d'affaires s'inspire un peu de Tesla dans la mesure où il n'y aura pas de concessionnaire, ça va être des boutiques. On en a ouvert une première du côté de Vancouver dans un centre commercial. La deuxième arrivera en début d'année à Toronto et la troisième en fin d'année 22. À Montréal. Est-ce qu'on a commencé à livrer des premiers véhicules? 30 octobre, est-ce qu'il y a des le premier véhicule qui a été livré aux États-Unis. Okay. Mais au Canada? Au Canada, pas encore. Tu vois, les 530 premières éditions qui vont être fabriquées, ils vont les appeler Dream Edition, juste pour le marché américain, avec une couleur dorée là, qui est unique à ces versions-là. Et c'est magnifique, là, d'ailleurs, comme couleur. Puis, tu vois, là, tu as une batterie, il faut que je me souvienne de la taille, c'est 128 kWh. J'ai un blanc de mémoire sur la taille des batteries, mais 128 kWh, ce qui te permet d'avoir une autonomie de plus de 800 km, 933 chevaux dans le cas de la version Reserve ou Range. 118 kWh. 118 kWh. Et 1111 chevaux dans la version de performance. Et là, ben, l'autonomie varie un peu, mais c'est la même batterie, c'est les mêmes moteurs, c'est juste du mapping, là, de la programmation qui est différente. Alors ça, c'est vendu aux États-Unis. Est-ce que c'est la voiture la plus rapide, la plus puissante, finalement, que tu as pu conduire? 1100 chevaux, c'est énorme, là. Ben, 1100 chevaux, c'est énorme, mais tu sens pas que c'est 1100 chevaux. Tu sais, je veux dire... on se compare avec la Tesla Model S plaid, puis la Tesla est plus rapide sur le départ initial. Parce qu'à 1111 chevaux, c'est le 0-100, c'est 2,5 secondes. Tesla, c'est 1,9. Il y a quand même un écart considérable. Tu ne peux pas te casser le cou avec cette voiture-là comme tu vas le faire avec la Tesla. Mais les reprises, tu roules 100, tu kicks, c'est comme si tu partais de zéro. Ça, c'est effrayant. Ça, c'est impressionnant. Wow! Mais ça se fait dans une voiture. Tu sais, une Tesla, tu fais ça, puis tu as l'impression que la voiture va se défaire en morceaux tellement ça craque partout, tellement la qualité d'assemblage n'est pas là. Ça, c'est pas ça. Là. On est ailleurs complètement. C'est une voiture super raffinée, très confortable. Les sièges, c'est génial. L'instrumentation qu'on a devant soi, ça me fait penser un peu à ce que Cadillac propose dans l'escalade. C'est un écran de 34 pouces incurvé 4K, très haute définition, mais avec un seul niveau de définition. Tu sais, chez Cadillac, tu as l'écran à côté qui ne fit pas avec le reste. Là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide. Tu as une tablette au bas qui s'incline, derrière laquelle tu vas avoir du rangement. Tu sais, c'est super bien aménagé. Il y a des Est-ce qu'il y a un minimum de boutons physiques ou comme chez Tesla, oui. Tout ça est enlevé? Oui. Tu as des boutons physiques sur le volant pour la ventilation, pour le volume de la radio sur la planche de bord. Ça, on l'a gardé. Puis, c'est au niveau design, c'est vraiment magnifique aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est le gros avantage que Tesla n'a pas. J'ai beaucoup aimé aussi ce pavillon qui est entièrement vitré. En fait, tu n'as pas de jonction entre le pare-brise et le toit. C'est une vitre qui part de la base puis qui monte jusqu'au milieu du toit où là, tu as une jonction. On salue nos amis de chez Vitre Expert qui vont avoir beaucoup de plaisir à remplacer des pare-brises sur ça. Et c'est drôle parce que tu es quand même obligé par la loi d'avoir des pare-soleils. Tu sais,
OK. Alors, eux ont dû fixer des pare-soleils sur ces vitres-là qui sont flottants, littéralement, mais qui sont vraiment bien placées. Puis, de la façon que la vitre est faite, ça ne peut pas te gêner pour le soleil. C'est vraiment. Parce que là, on a eu de la belle météo, puis on a roulé en plein soleil. Puis, tu vois, c'est ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. L'autre affaire, c'est que cette voiture-là, bon, il faut savoir que Lucid, c'est à eux qu'on doit les batteries des formules électriques. C'est eux qui ont développé ça depuis des années. Puis la compagnie a été lancée d'abord pour fabriquer des batteries pour d'autres entreprises, pas juste en automobile. Et on s'est raffiné au fil du temps pour finalement développer des batteries pour des formules électriques qu'on adapte aujourd'hui pour la Lucid Air. Alors, ces batteries-là, on les installe au niveau du plancher dans l'auto. Le plancher de la voiture est incurvé pour l'aérodynamique. C'est 0,20 de coefficient aérodynamique. C'est du jamais vu. C'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est un point faible de l'Ioniq 5, sur mon avis, parce qu'on est à 0,29 sur l'Ioniq 5, ce qui est vraiment pas bon, là. Une Lexus LS490 faisait mieux que ça, là. Fait que c'est pas des farces. On était à 0,28 avec une Lexus en 90. Fait que 0,29 avec l'Ioniq 5, on n'est pas là pour le CX. Mais Lucid, c'est vraiment impressionnant. On a incurvé le plancher, tout est couvert sous la voiture. Suspension indépendante aux quatre roues, pas pneumatique. C'est coil spring le traditionnel. Là, donc, fait assez c'est simple. Là. Assez simple. Ce n'est pas des trucs qui vont coûter des sommes faramineuses, contrairement à la voiture elle-même, parce que le modèle que j'ai conduit, c'était 169 000 américains. Puis tu vois, l'échelle de prix canadienne va varier de 105 à 189 000 quand on va arriver ici. Mais tu sais, la voiture est impressionnante parce qu'il y a du développement technologique. Les batteries au niveau du sol qui sont super puissantes compte tenu de la taille, parce que tu sais, essaie d'aller chercher ça avec 115 ou 120 kWh, 800 km d'autonomie, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Les moteurs de la voiture sont super compacts, mais produisent beaucoup plus de puissance par rapport à la compétition. Donc, il y a une belle efficacité ressources, disons ça comme et ça. Et conséquemment, ça te permet d'avoir une voiture, si tu stationnes ça à côté, par exemple, d'une Porsche Taycan ou d'une Tesla Model S, la voiture, elle est un peu plus courte, immensément plus spacieuse, et tu as deux gigantesques coffres à l'avant et à l'arrière. Donc, c'est beaucoup plus pratique comme auto qu'une berline en compétition parce que, justement, les batteries et les moteurs électriques prennent moins d'espace. Fait que ce que je retiens de ça, c'est que, bien sûr, cette voiture-là, c'est un halo car, c'est une voiture exceptionnelle, tout ce que tu voudras, mais il faut penser que quand on va prendre cette technologie-là, qu'on va l'appliquer à un VUS qui va se vendre un peu moins cher, puis surtout à une voiture compacte qui va se vendre moins cher, puis à un petit VUS qui va se vendre encore moins cher dans les années futures. Là, on sait qu'on va arriver avec le VUS Gravity l'année prochaine. Après ça, bien, ça va probablement être une voiture qui va se comparer avec la Model 3. C'est évident que cette technologie-là, à plus petite échelle, va être super impressionnante et c'est là qu'on va réussir à mettre la main sur des bagnoles. Tu sais, je te dis pas qu'on va vendre des voitures à 40 000 piastres, mais si on arrive avec une voiture pour rivaliser, par exemple, avec une Polestar 2 à 70 000, 75 000 Canadiens, qui, au lieu d'offrir 375 km d'autonomie, en offre 600. Mais il va falloir patienter encore un moment parce que on a un retard par rapport aux autres constructeurs automobiles de véhicules électriques, là. Retard. En termes d'années, là, tu sais, la Model S, ça fait 10 ans qu'elle est sur notre marché. Là, on nous arrive finalement chez Lucid avec une première berline. Là. Ah oui, mais c'est une nouvelle entreprise. Oui, c'est ça, mais on a ce décalage-là en termes d'années et d'expérience et de connaissance du marché. Là. Oui, mais je te dirais que la majorité des gens à qui j'ai parlé viennent de d'autres constructeurs. Beaucoup de gens qui travaillent là ont travaillé chez BMW. M'ont raconté, je leur ai promis de ne pas en parler, mais m'ont raconté tous les déboires de la mini électrique sur le marché nord-américain, puis comment cette voiture-là a fini par arriver. Puis bon, tu sais, le virage électrique de BMW qui s'est fait à 180 degrés à 2-3 reprises, ce qui s'est passé là. Tu sais, les constructeurs automobiles comme Mercedes, comme BMW, comme les ont de la misère à se virer sur un 10 cents. Comme on dit en bon français. Eux autres partent de zéro, il y a une feuille blanche. Puis c'est vrai pour Rivian, c'est vrai pour les autres.
Oui, ils n'ont pas une structure extrêmement lourde à l'échelle internationale. Tu es beaucoup plus agile quand tu es un jeune constructeur automobile comme ça. Puis il faut que je te dise un truc aussi. Un des éléments qui m'a surpris, c'est quand je suis arrivé là-bas sur place, le stationnement des employés, c'est plein de voitures de passionnés de bagnoles, des vieilles Mustang modifiées, des MX-5, des Lotus, une vieille Porsche 911. Ils ont tous des détecteurs de radar sur le tableau de bord, comprends-tu? C'est des maniaques de voitures. C'est des gens qui parlent le même langage que nous. Ben voilà. Alors, tu sais, c'est pas des comptables. Mais est-ce qu'il y avait un peu de voitures électriques, genre une Leaf ou des trucs comme ça, ou c'est des passionnés de voitures qui travaillent pour un constructeur de véhicules électriques? Les voitures électriques que j'ai vues dans le stationnement là-bas, c'est des Tesla. OK. Des Leaf, non. Non. Une Mirai? Ouais. Une Mirai, tu sais, bon. Mais il n'y avait pas de clarity, là. Tu comprends-tu? Je comprends ça. Ça, c'est l'autre affaire qui m'a impressionné. Et ça, c'est un point qui m'a impressionné. Puis l'autre truc, c'est que, écoute, t'es en plein Silicon Valley. Puis là, ça n'a pas rapport avec les voitures, mais on est à 1 ou 2 kilomètres de chez Facebook. Je ne sais pas si tu as déjà vu la bâtisse Facebook ou les bâtisses de Facebook, mais ça a des kilomètres de long. C'est de la domotique puis des lumières au DEL sur une bâtisse ultra futuriste. Écoute, c'est tellement impressionnant de voir l'ampleur des installations de Facebook. C'est gros, ça n'a aucun sens. Ils ont des shuttles entre les départements pour les employés qui doivent aller faire des réunions ailleurs dans les bâtisses. Ils ont un hôtel qui leur est dédié. Tu peux louer une chambre sur place. C'est entre 600 et 800 piastres américains la nuit. Tu sais, je pense que la connexion Internet est bonne. Ça doit être popé. Ça doit être popé. Fait que... Puis, ben, tu sais, en passant devant la bâtisse, je leur ai dit merci parce qu'en quelque part, ils me versent un salaire. Oui, en quelque sorte. Mais de voir ça, de rouler dans Silicon Valley puis de voir comment là-bas, c'est un autre monde. Là, c'est... Puis Lucid s'est installé dans des bureaux qui sont des bureaux commerciaux. Tu sais, oui, il y a une enseigne sur la bâtisse, mais c'est générique comme installation. C'est pas le GM Tower à Détroit, là, 0-0. Là, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est une entreprise qui, à l'intérieur des murs, est vraiment, vraiment impressionnante. Fait que c'est pas juste la voiture qui m'a impressionné. C'est tout le savoir-faire et l'innovation qu'on retrouve là-dedans. Puis c'est un vent de fraîcheur en automobile aussi, parce qu'il y a des nouveaux constructeurs qui partent de zéro, puis qui sont aussi sérieux, puis qui ont autant d'ingénieurs qualifiés dans leur équipe. Tu vois pas ça tous les jours, là. Visiter des installations comme ça, avant qu'on puisse faire la même chose du côté de chez Chrysler, ça va être long. Oui, j'ai l'impression. Par contre, Chrysler nous réserve une belle surprise. Là, on ne peut pas le dire parce que c'est sous embargo, mais au CES, on va dévoiler un véhicule qui va peut-être changer la perception qu'on a de la marque Chrysler. J'ai appris ça cette semaine. Un sacré beau véhicule. Bon, tu resteras en onde après qu'on a terminé. Je suis curieux de t'entendre. Tu voulais nous glisser un mot aussi sur... la raison pour laquelle les consommateurs décident de ne pas faire entretenir leur véhicule chez le concessionnaire une fois que la garantie est terminée. Donc, grosso modo, on fait faire les changements d'huile et l'entretien de base chez le concessionnaire pendant les 2, 3, 4, 5 premières années, tout dépendant des marques. Puis après ça, on va chez un garagiste indépendant, souvent au coin de la rue. J'ai un de mes véhicules que j'ai dû laisser chez un concessionnaire cette semaine pour une réparation d'ordre électronique que seul le concessionnaire pouvait effectuer. Et ce concessionnaire-là m'a téléphoné par la suite en me disant « Monsieur, vous avez un problème avec votre système d'échappement. » J'étais bien au courant qu'il y avait un problème avec le système d'échappement. Généralement, ça s'entend, ce genre de choses-là. Ouais. Et j'avais déjà réglé le problème. Puis, tu vois, moi, j'avais commandé la pièce. On va remplacer ça, puis ça va être bien beau. Puis, merci, bonsoir. C'est un vieux véhicule, alors là, tu... Bon. Fait que le concessionnaire me téléphone et me dit
Ben, écoutez, on a fait l'évaluation des travaux qu'il y a à faire. Il y a quand même plusieurs pièces à changer. On s'est permis de vous faire un estimé. Alors, si vous voulez faire faire les travaux, monsieur, ça va être 2 598 $ pour le travail du système d'échappement. Et là, je suis parti à rire. J'étais en train de prendre une gorgée de café, puis sérieusement, j'ai failli faire un dégât. Est-ce que c'est à peu près la valeur monétaire du véhicule, grosso modo, bon, en plus? Premièrement, là, faisons parce que un c'est chiffron. Un vieux véhicule. Premièrement, parce que c'est un vieux véhicule, mais ça m'a juste confirmé un truc. Alors, moi, j'ai appelé mes amis, Danny et Steve, du garage Preda, puis je leur ai dit là, vous allez me faire la même soumission. Faites-moi pas de rabais, là, on n'est pas amis. Moi, je suis un client qui se présente chez vous. J'ai cette réparation-là à effectuer. Combien ça me coûte? Fait qu'il m'a fait la soumission. Taxe incluse, 362 $. Au lieu de 2 598 $. Pourquoi les gens ne vont pas chez le concessionnaire automobile une fois que la garantie est terminée? Pour ça, la soumission chez le garage avec qui je fais affaire normalement est l'équivalent des taxes de la facture du concessionnaire. Pas des farces, là. Et voilà. Bon, là, évidemment, le concessionnaire me mettait peut-être des collets en titane puis suivait les règles de l'art comme si c'était un modèle 2019. Mais la réalité, quand on a un véhicule de 10 ou 15 ans qui a 150 ou 200 000 km qui vaut quelques milliers de dollars, on peut peut-être utiliser son bon jugement, là. Bon, alors c'est ce que eux n'ont pas fait. Oui. T'sais, eux, ils sont allés dans le catalogue, ils ont dit « ça prend ça, ta-ta-ta-ta-ta-ta », puis ils m'ont fait une soumission dans les règles de l'art. Alors que tu es un concessionnaire. Tu sais bien que la personne qui a une auto qui vaut 3 000 $ ne mettra pas 2 500 $ de réparation sur une pièce. Alors, peut-être que tu peux offrir l'alternative d'une pièce d'après-marché. Peut-être que tu peux dire, écoutez, vous pourriez laisser tomber ça, on pourrait vous arranger ça comme ça, puis vous mettre la bonne pièce. Non, non, non. Là, c'est pas ça qui est arrivé. Mais ça vient juste me confirmer pourquoi les gens ne vont plus chez les concessionnaires et se tournent vers des garages indépendants ou pourquoi les gens choisissent de louer puis de redonner les clés pour avoir de problèmes, pour avoir à composer des situations comme ça. J'ai trouvé ça ridicule. C'est le mot. Ridicule. T'sais? Alors, je ne sais pas si un jour les concessionnaires vont vouloir changer leur modèle d'affaires ou juste entretenir des véhicules qui sont sous garantie, mais moi, je pense qu'il y a une super belle opportunité pour le marché du garage indépendant de se promouvoir et de prouver qu'on peut entretenir un véhicule d'occasion. Pour une fraction du prix. Puis même quand le véhicule vaut 2, 3, 4, 5, 6 000 $, on est encore capable de justifier l'entretien d'un véhicule qui a 10, 12, 15 ans dans un garage indépendant, ce qui est impossible de faire chez un concessionnaire de véhicules neufs parce que les coûts sont astronomiquement plus élevés. Puis, je veux juste te rassurer, là, tu sais de quel véhicule il s'agit. Là, je le nomme pas pour les besoins de la cause, mais tu sais ce de quel véhicule. Ce n'est pas la grosse brune parce qu'il n'y a malheureusement plus de concessionnaires AMC depuis non, quelques ce n'est années. Pas la grosse brune, mais, ce n'est pas la grosse brune, mais ce n'est pas non plus ma Jaguar. Là. C'est un auto assez commune. Alors, tu sais, c'est un truc facile à entretenir et pourtant, c'est ce que ça a donné. Fait que je voulais juste dire un mot là-dessus. Dépenser 350 $ sur une voiture qui vaut, disons, 3 000 $, c'est réaliste, ouais. C'est sensé, ça a du bon sens. On peut s'imaginer le faire, mais dépenser 1 000 $ par année en entretien sur une voiture, qu'importe la valeur de l'auto, ouais. Même si l'auto vaut 1 000 $, c'est à peu près normal. Je veux dire, c'est à peu près normal, là, une voiture qui vaut 1 000 $, tu vas mettre 1 000 $ pour la faire durer un an de plus, pas cher. Là. C'est normal. Mais, je veux dire, aller mettre 3, 4, 5 000 pour la réparation d'une pièce, bon, là, dans ce cas-ci, 2 600 $ pour la réparation d'une pièce, parce que le concessionnaire veut se graisser la patte comme un cochon, parce que c'est ça la vérité, ben là, voilà. Voilà. Parlant de véhicules tout neufs, tu en fais tirer un en fin de semaine. Dernier épisode de Rouler au suivant. C'est un spécial épisode spécial pour les fêtes. En fait, on a vu dans le dernier épisode apparaître un véhicule assez curieux. C'était le Pontiac Aztek jaune. Et ce véhicule-là sera la vedette prochainement. Ben, en fait,
vous l'avez vu dans l'ensemble des épisodes de Rouleau suivant. Volontairement, à un moment ou à un autre, dans tous les épisodes de Rouleau suivant, il y a un mini clin d'œil à un Aztèque jaune. Il faut des fois avoir l'œil très aiguisé, là, mais vous allez le voir dans l'ensemble des épisodes. Et ce véhicule-là, on se l'est approprié, on l'a acheté chez Kenny Youpool, on a choisi de le remettre en condition parce que c'est une mascotte, là, littéralement, puis parce que c'est un Aztèque que je peux te dire qu'il y a tout pour lui, tu vas me dire, ou qui représente tout ce que l'Aztèque est. Il est jaune, il a la tente, il a le cooler, c'est un 4 roues motrices avec un système Versatrac effrayamment pas efficace. Qu'on a pu voir dès qu'il y a eu un petit peu de glace. C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est un. Mais en même temps, c'est la version la plus désirable de la série. Aujourd'hui, il y a aussi drôle que ça puisse paraître, il y a un engouement pour ces véhicules-là parce que c'est tellement laid que c'est devenu. Walter White. Ouais, c'est ça, ouais. Puis c'est tellement laid que c'est devenu une icône, un peu comme la Pacer, mais de façon plus moderne. Et je t'avoue que ce véhicule-là, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est quand même un véhicule spacieux, polyvalent, qui ne roule pas si mal que ça. Et pour un GM de 15 ans. C'est ça, 20 ans même. Hein. 20 ans. Et là, ben, nous, on a décidé de le remettre en condition, mais on va le faire tirer, parce qu'on n'a pas de gagnant pour ce véhicule-là. Alors, c'est un show hors série, qui ne fait pas partie de la saison régulière, qu'on a décidé de mettre en nombre, qui comporte un concours. Ça sera en nombre dès demain, 19h, sur ma page Facebook, sur ma page YouTube. Vous allez le retrouver aussi à TVA Sport demain, mais au cours de l'après-midi, je pense qu'il diffuse à 14h et à 17h sur TVA Sport 2, si ma mémoire est bonne. Alors, allez voir ça, ce show-là. Écoutez ça demain, promis. Ce sera ma dernière journée en isolation complète à la maison. Ouais, c'est ça. Alors, un peu c'est de divertissement, je dis pas non à ça. Et vous allez me voir comme un imbécile tenter de monter la tente d'un Pontiac Aztèque alors qu'un orage se présente. C'est de toute beauté. Voilà. J'adore. Bon, la brochure de la semaine? Ouais. Là, j'ai dit, je suis tombé là-dessus par hasard aujourd'hui. C'est une voiture qui a 20 ans. Mais c'est une voiture que j'ai conduite beaucoup il y a 20 ans, à l'époque où j'ai travaillé dans une entreprise de un petit peu plus que 20 ans. À l'époque où j'ai travaillé dans une entreprise de location d'auto, en l'occurrence Discount Location d'auto, et on avait beaucoup de ça. Ah, la fameuse Taurus ronde, hein? C'était la version où tout était rond, là. Bien, en fait, celle-là, non. Parce qu'en 1996, on avait amené... La Taurus était toute ronde, puis en 2000, alors que les critiques étaient plus géniales, bien, on avait redessiné le toit. Alors, nouvelle planche de bord, on avait éliminé la pizza qu'on avait dans la planche de bord, on avait éliminé, mais tu sais, c'était quand même encore la même auto, donc avec la version familiale qui était ma préférée, je dois t'avouer, puis on en avait des Taurus familiales vertes en location. Là. Alors, tu peux voir ça. Et Ford proposait à cette époque deux choix de moteur V6 3 litres, le Vulcan de 155 chevaux, arbre à cam central, ou le Twin Cam 24 valves Duratec qui faisait 220 chevaux, c'est ça ma mémoire? 200 chevaux. Faisait 200 chevaux, puis là, c'était un V6 3 litres, mais beaucoup plus performant. Puis c'est vrai que c'était plus performant que le moteur de base. Un truc qui était drôle sur les Taurus, si tu prenais une berline, tu avais des tambours à l'arrière, puis si tu prenais une familiale, tu avais des disques à l'arrière. Probablement parce qu'on avait peut-être on s'imaginait que les gens allaient peut-être remorquer une tente roulotte ou quelque chose avec. Il faut aussi se souvenir que. La familiale, là. Puis il y avait la troisième banquette aussi. Voilà, c'est ça. C'était en option, si je ne me trompe pas, ça, oui. Pour la familiale, là. Et c'était aussi en option dans la grosse brune, soit dit en passant. Oui, voilà. Et je suis bien content que le premier acheteur de ma grosse brune l'ait sélectionné. Ça en fait un véhicule beaucoup plus pratique. Alors, voilà pour la brochure de la semaine. Voiture qui a maintenant 20 ans. Est-ce qu'on y va avec quelques questions? Vas-y donc. On a Louis-Philippe qui nous dit qu'il magasine actuellement chez Volvo. Il hésite entre une berline S60 et le VUS XC60 2019 à 2022. Il hésite entre les deux modèles. Est-ce qu'on doit privilégier l'achat ou la location? Bref, tes lumières, s'il vous plaît, Antoine. Ben, louer un usager, jamais, là. Non. On ne loue pas un véhicule d'occasion, ça, c'est pas une bonne idée.
Moi, je t'avoue. Est-ce qu'on serait mieux d'acheter un véhicule d'occasion ou de louer un neuf? Je pense que là, Ben, voilà. la question est plus là, là. Et chez Volvo, ben, tu sais, c'est peut-être plus sage de louer un neuf, considérant que la fiabilité est parfois inégale, dépendant des mécaniques, là, bien sûr. Mais moi, j'ai envie de te dire, je choisirais ni un ni l'autre. Je choisirais la V60 Cross Country, qui est à mi-chemin entre les deux. Parce que la berline S60, c'est une voiture intéressante. J'aime beaucoup sa conduite, j'aime beaucoup son look, moins pratique, par exemple. Puis, voiture qui va se revendre plus difficilement. Puis, qui a un résiduel qui est certainement moins élevé parce que c'est une berline, parce que le marché est moins là. À l'opposé, bien, le XC60, bien, c'est un véhicule qui se fond dans la masse. C'est un autre VUS blanc, tu sais, comme on voit partout. Alors que la V60 Cross Country, c'est une voiture qui a un caractère bien à elle, qui se conduit super bien, qui est un peu surélevée, qui a une bonne suspension. J'aime beaucoup le groupe qu'on propose avec ça. Moi, c'est ce que je choisirais. Chez Volvo, c'est la voiture que j'achèterais. Donc, évidemment, pour ceux qui ont le budget, on a ramené cette année la V90 Cross Country qu'on avait éliminée depuis quelques années, mais on l'a ramenée sur le marché canadien, à ma grande surprise. On l'a ramenée sans parler à personne, en plus, d'ailleurs. Non, là, on a ça. Fait ça quasiment en catimini, mais là, on est dans une autre sphère. Non, non, c'est ça, c'est une gamme complètement à part. Mais moi, j'irais pour la V60. C'est ça ma réponse. Excellent. On a Pierre-Luc qui hésite entre un Honda Ridgeline Black Edition 2022 et un Ford F-150 à moteur EcoBoost de 2,7 litres, deux véhicules 2022. Il ouais. tire un bateau de pêche de 3 000 à 3 500 livres et c'est à peu près tout. Il a eu deux Ridgeline, il en possède toujours un, mais il voudrait rajeunir son véhicule. Il les a adorés, mais l'espace demeure restreint avec les enfants qui grandissent. Et pensait qu'une version à cabine crew cab chez Ford pourrait être bien et peut-être un peu plus pratique. Bref, okay. Est-ce que tu auras des recommandations pour lui? Il vise garder le véhicule entre 9 et 10 ans. Ah oui, hein? Ben, écoute, c'est sûr qu'un F-150, c'est plus spacieux à l'intérieur au niveau de la cabine. Là, ça, il n'y a pas de doute. Puis, aussi drôle que ça puisse paraître, le moteur 2.7 EcoBoost du F-150 ne sera pas plus gourmand que le moteur du Ridgeline. Je te dirais même que dans certaines conditions, le Ford peut être un peu plus économique. C'est une mécanique qui est vraiment à point, le 2.7 EcoBoost chez Ford. C'est mon moteur favori dans la gamme F-150 parce qu'il est fiable en plus. On sait qu'on a eu des problèmes avec le moteur 3.5 EcoBoost, avec le 5 litres. Bon, mais le 2.7 EcoBoost. Avec l'hybride aussi? Oui, avec l'hybride, bon. Et pour quelqu'un qui n'a pas besoin de remorquer énormément, ce qui est le cas de cet auditeur-là, ça peut être intéressant. Bien, en fait, moi, ce qui me tique là-dedans, c'est que si tu n'as pas besoin nécessairement d'un véhicule aussi encombrant, pourquoi t'encombrer d'un véhicule comme celui-là? L'autre affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Ridgeline, c'est un véhicule qui, bon, de ce temps-là, tous les pick-up gardent une bonne valeur, mais les Ridgeline, c'est hors norme, là, ça déprécie à peu près pas. Il y a une soute à bagages dans la caisse sur le Ridgeline qui est bien pratique, ce qu'on perd avec le F-150. 3 000-3 500 livres, le Ridgeline tire ça sans problème. Puis c'est un véhicule qui est moins imposant. C'est un véhicule qui se conduit plus facilement en milieu urbain, qui est plus polyvalent. Et qui, sur 10 ans, risque d'être pas mal plus fiable qu'un F-150 aussi. Il va coûter beaucoup moins cher à entretenir. Fait que pour ça, moi, je resterai avec le Ridgeline. Mais il faut quand même que je donne à César ce qui lui revient. Le Ford F-150, c'est un véhicule super spacieux, super confortable, avec un moteur qui est aussi, sinon plus économique que le V6 du Ridgeline. Bon, on va poursuivre avec la troisième question rapidement parce que il est 18h et vous avez été à peu près la moitié à quitter tout d'un coup. C'est sûr. Pour ben, aller oui. écouter François Legault, qui a probablement des nouvelles un peu moins intéressantes à vous annoncer que nous, mais bon, c'est la vie et on va continuer, nous, quand même, avec la troisième question. On a Stéphane qui doit commander un véhicule de compagnie et dans ses choix, il a la Subaru Impreza Convenience et la Chevrolet Malibu LT. Quel véhicule lui recommandes-tu? Il fait environ 35 à 40 000 km par année, majoritairement sur l'autoroute et doit aller en Abitibi et dans les Maritimes à l'occasion. Son véhicule actuel est une Ford Fusion All-Wheel Drive qu'il adore. Ah oui.
C'est C'est un pas beau évident. dilemme, ça. Oui, c'est un très beau dilemme. Pas évident parce que c'est sûr que pour faire de la route énormément, tu vas être assis dans une Malibu avant une Impreza, là. Oui, mais les C'est une quelques voiture. semaines où tu vas aller en Abitibi en hiver, tu vas être content d'avoir l'Impreza, mais le restant de l'année, tu vas vouloir être dans la Malibu. Ouais, mais tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si tu as une voiture si tu roules uniquement sur la route, que tu as une voiture qui est neuve, qui est stable, qui est confortable, qui est ultra bien chaussée, c'est quand même une traction, là. T'es pas dans la semoule avec ça. Parce qu'une Impreza, je trouve que des fois, les suspensions sont pas super bien calibrées. C'est une C'est très voiture. bruyant comme véhicule. C'est pas Oui. très raffiné non plus. T'as C'est un pas de peu puissance. tracteur, là. Une Crosstrek est plus intéressante, mais encore là, c'est pas, t'achètes pas ça pour le confort. Là, tu veux une voiture confortable, c'est ton bureau de travail. Vous le savez, bon, Stéphane le sait, là, il conduit une Fusion. Ben, là, c'est à peu près l'équivalent, mais on perd le rouage intégral, on gagne en économie d'essence. C'est sûr que le rouage intégral, c'est un must. Puis là, je ne sais pas ce à quoi il a droit avec son entreprise. Moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est une legacy. T'sais? Bon, là, on se rend en Mais la machine. vérité, c'est que probablement que pour les parcs, une Malibu coûte le même prix qu'une Impreza ou à peu près, là. Oui, c'est ça. Fait que, mais moi, je pense que je dirais, je vais aller me payer quatre bons Continental ou quatre bons Nokian, des bons pneus d'hiver. Je vais mettre ça sur la Malibu, puis je vais prendre la Malibu parce qu'aujourd'hui, une Malibu, il n'y a plus personne que ça intéresse, mais c'est pourtant une voiture qui est loin d'être vilaine et c'est très confortable comme bagnole. Je veux dire, j'ai pas grand-chose à reprocher à ça, hormis le fait que c'est bien difficile à revendre, là. Mais comme voiture d'utilisation à tous les jours, j'aime mieux être assis là-dedans que dans une Impreza Convenience qui n'a pas grand-chose à offrir, là. Ça, c'est sûr. Voilà. Il y en a quelques-uns qui nous ont dit qu'on pouvait continuer, qu'ils allaient écouter M. Legault en reprise. Donc, Ouais, mais nous autres aussi. il y a Kevin qui a envoyé des étoiles, mentionnons-le aussi. OK, ben merci Kevin. Fait que ben là, écoute, on était sur la fin. Je pense qu'on va aller écouter M. Legault, puis on va prendre le temps de souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde. On va se Passer retrouver en 2022. Malheureusement, on ne pourra pas se voir et se rencontrer. Au salon de l'auto, mais on pourra continuer la radio, on pourra continuer ces Ben diffusions-là oui. en direct et vous pourrez continuer de nous Puis lire sur on ne le sait site du pas si Guide de on ne vous fera l'auto. pas une surprise dans le temps des fêtes à un moment donné, si jamais Germain se déconfine puis vient prendre une bière à la maison, qu'on décide de, a cappella de se garrocher dans Grosse Brune. Je vais Ça se peut. laisser au cas mes décorations de Noël. C'est bien. Hein? C'est bien. T'es aimé, hein? Oui, félicitations, félicitations pour l'effort, j'apprécie. Et il se pourrait effectivement que j'aille faire un tour chez vous parce que, et que je me cherche des sorties parce que 10 jours à la maison enfermé, je te confirme que c'est long, que c'est long. Joyeuses fêtes tout le monde. Merci d'avoir Joyeuses été là. fêtes. Puis merci d'avoir été là toute l'année de nous suivre en aussi grand nombre. C'était le 71e épisode de La Grosse Brune. Absolument. C'est sûr qu'on revient, qu'on va continuer ça en 2022. On ne sera peut-être pas là les 52 semaines parce que des fois, il y a des situations qui font en sorte qu'on ne peut pas le faire. Mais bref, autant que possible. Alors merci d'avoir été là tout le monde et puis à très bientôt. Bonne année 2022. Au revoir. Salut!